superior. Allô, Mora. Bien le bonjour. Je vous en prie, prenez votre temps. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire signe. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides. Rébellion. Je n'ai rien à utiliser là-dessus pour le moment.
Vous revoilà. Avez-vous fini vos devoirs ? Me revoilà, professeur. Tous mes devoirs sont finis. Félicitations, vous faites preuve de discipline. Vous savez ce que l'on dit. La sagesse est un vif d'or, et vous avez prouvé vos compétences en la matière. Entraînons-nous à Arresto Momentum, un sortilège qui a d'ailleurs été créé pour empêcher les souafles de tomber directement au sol lors d'un match de Quidditch. Des mouvements précis et assurés. Très bien. Continuez à vous entraîner. Peut-être même avant de sortir de la salle. Arrêtez-vous. C'est bien. Continuez comme ça. Vous ne tarderez pas à maîtriser Arresto Momentum. Si je n'étais pas là pour vous surveiller, vous auriez tous perdu votre tête depuis longtemps. Tellement hâte. Personne ne peut m'échapper. Je te traque. Ça. Tu es de retour. Réveillon.
Rébellion. Rébellion. Fallait-il en deux route pour de nouvelles aventures? Avez-vous terminé vos devoirs? J'ai terminé ce travail, professeur. Eh bien, eh bien. J'espère que vous vous appliquez. Les raccourcis mènent bien souvent à des déceptions. Oui, monsieur, bien sûr. Bien. En temps normal, j'aurais dit que je m'en moque éperdument, mais vous... Je veux vous préparer comme il se doit. Le talent et la volonté forment un duo redoutable. Il serait dommage de ne pas en tirer parti. Merci, professeur. Tâchez de ne pas prendre la grosse tête. Bon, voyons votre Diffindo. Préparez votre baguette. Concentrez-vous. Diffindo peut être dangereux si vous ne prêtez pas attention. Beau travail. Je pense que vous avez compris comment fonctionne Diffindo. Thank you.
plaisir d'avoir un élève qui suit scrupuleusement mes consignes. Ce n'est pas l'endroit. Bonjour Adélaïde, j'ai reçu ton hibou. Je te remercie d'être là. Mon oncle Roland est un marchand de métal très réputé au sein de la communauté des Gobelins. D'habitude, il m'envoie des hiboux toutes les semaines quand il part en voyage d'affaires. Son dernier hibou faisait allusion à des affaires avec ses gobelins extrémistes, les fidèles de Ranrock. C'était il y a longtemps, et depuis, je m'inquiète. Avec l'attaque de trolls à Préolar et les rumeurs selon lesquelles les gobelins auraient été impliqués, je crains le pire. Est-ce que je dois m'inquiéter pour lui, ou est-ce que tu penses que je m'en fais trop ? Tu as raison de t'inquiéter, Adélaïde. Ton oncle a peut-être des ennuis. Le professeur Weasley n'a pas été aussi compatissante que toi. Elle a appris que j'allais partir à sa recherche et m'a interdit de quitter l'école. Elle dit qu'il peut se débrouiller tout seul. Mais impossible de penser à autre chose tant que je ne suis pas certaine qu'il va bien. Tu voudrais bien enquêter pour moi ? J'ai entendu dire que, tout comme oncle Roland, toi aussi, tu avais un penchant pour l'aventure. Je vais faire des recherches, Adélaïde. Merci. Il tient ses registres méticuleusement. Il note toutes ses transactions dans un journal et fait des cartes.
D'ailleurs, dans son dernier hibou, il m'a dessiné une carte de son prochain arrêt. Il pensait monter le camp au nord d'ici. J'espère sincèrement que tu pourras le retrouver. Et encore merci pour ton aide, quelle qu'elle soit. Oh, oncle Roland, quels ennuis vous vous êtes attirés. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Pourrait-il s'agir du campement de Monsieur Duchesne ? Des fidèles de Ranrok, juste devant. Il vaut mieux employer la force ou faire preuve de discrétion. Rebellio. Ne m'attaque pas. C'est quoi, tu sais. Dommage. Arrête au mauvais moment. Je me bats depuis bien avant la naissance. Arrête tout le monde. Rebellio. Que ces gobelins ont fait de Monsieur Duchesne. Rebellio. Adélaïde a dit que son oncle notait toutes ses transactions sur des cartes. Ses repères nous guideront peut-être jusqu'à lui. Registre des transactions de Monsieur Duchesne. Rebellio. Thank you.
Une formation rocheuse. C'est le premier repère indiqué sur la carte. Maintenant, je dois trouver l'arbre tordu. Non. Si un oiseau crie, ce n'est pas un bon présage. C'est là. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde fait autant d'histoires avec le braconnage. Franchement, ce ne sont pas les créatures qui manquent. J'évite de passer à Arundel. Pas tellement l'ambiance. Confine-toi. Je devrais aller voir. Toi. Certaines de tes victimes étaient des amis à moi. C'est une... Et t'as vu ça ? Malade ! Stupéfique ! Une attaque parfaite ! Confringo ! Revelio. Revelio.
Personne ne m'aime, a priori. Mais bon, vu tout ce que j'y ai fait, je ne peux pas leur en vouloir. Les habitants de Campolar en haut tremblent en me voyant arriver. Revelio. Nous là. Qu'est-ce que vous mijotez ? Un intrus ! Je trouverai peut-être ce que je cherche plus haut dans le donjon. Je crois que tu vas pousser les lèvres vers un de notre campement à la tour. Ne m'inspire rien de bon. Revelio. Cette journée se termine. Revelio. Pu se passer ici. Arrête ton momentum. Action. Arrête ton momentum. Les vieux sont.
Qu'est-ce que tu fais? Arrête mon esprit, Léon. Revelio. Revelio. Meilleur endroit où venir sans personne. Qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur ? Revelio. Expelliarmus, Lindo. Arrête. Action. Ranrok vous a tous trompés et vous a menés à votre perte. Allô, Mora. Revelio.
Revelio. Revelio. Nous vaincrons, les... Qu'est-ce que c'était? Tu aimes souffrir, n'est-ce pas? Ranrok, a ton sang sur les mains! Une chaudière. Comment l'ouvrir ? Revelio. Revelio. Revelio.
compris, Ngo. C'est sûrement la baguette de Monsieur Duchesne. Il va peut-être pouvoir se libérer maintenant. Revelio. Eh bien, je me bats depuis bien longtemps. Tu as maintenant un fidèle de moins, Revelio.
demande si on arrête d'abord. Monsieur Duchesne ? Oui, je suis là. Ils ont pris ma baguette. Le verrou de la cellule a été enchanté. Je connais bien ces serrures, mais il me faut ma baguette si je veux espérer l'ouvrir. Cherchez une porte de sautière. Je les ai entendus en parler. Par chance, j'ai déjà trouvé votre baguette, monsieur Duchesne. Vous l'avez trouvée ? Donnez-moi ça, vite, avant qu'il ne revienne. Il faut que je sorte d'ici. Vous avez réussi! Vous avez trouvé ma baguette et... Attendez, vous êtes si jeune. Venez, nous devons absolument vous mettre à l'abri au plus vite. C'est dangereux. Tout va bien, monsieur Duchesne. J'ai déjà eu affaire à ces gobelins. Par Merlin, vous avez soit beaucoup de chance, soit beaucoup de talent. Comment m'avez-vous trouvé? Adélaïde et moi sommes amis. Elle s'inquiétait de vos liens avec les fidèles de Ranrok. Et elle a raison de l'être. Je n'ai pas voulu signer cet accord. Et quand je leur ai dit... Ils m'ont bandé les yeux et jeté en cage. J'ai été enfermé dans cette maudite cellule depuis si longtemps qu'ils m'avaient oublié. J'ai entendu des choses. J'aurais aimé vous récompenser comme il se doit, mais ces maudits gobelins ne m'ont pas laissé une noise. Quoi qu'il en soit, je vous remercie, sincèrement. Je suis content d'avoir pu vous aider, monsieur Duchesne. Adélaïde a beaucoup d'estime pour vous. C'est réciproque. Elle est très au fait de mes pratiques commerciales. Elle passe son temps à analyser mes hiboux. Ah, si seulement je n'avais pas commercé avec ces vermines. C'est une leçon que je ne suis pas prêt d'oublier. Récupérer ma baguette magique, c'est comme retrouver un vieil ami. Je dois rentrer pour dire à Adélaïde que je vais bien. Vous allez vous en sortir ? Ça ira, monsieur Duchesne. Retournez auprès d'Adélaïde. Elle s'inquiète bien plus pour vous, croyez-moi. Ah, j'ai hâte de retrouver ma chère nièce. Et après ça... Je partirai loin d'ici pour mes prochaines affaires. Merci. J'espère que la vie vous récompensera pour vos actes. Bonne chance à vous. Réveillon. Monsieur Duchesne a eu de la chance. Les fidèles de Ranrok ne l'auraient jamais libéré. Thank you.
Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Revelio. Bonjour, enchanté. Bienvenue. Je suis Bernard Ndiaye, et voici ma boutique. Est-ce que je peux vous aider? Que proposez-vous à la vente? Que cherchez-vous aujourd'hui? C'est un plaisir de faire affaire avec vous. N'hésitez pas à revenir.